3. Tendu. Bah allez, c'est parti pour un peu de street. J'avais pas démarré la GoPro. Il y a Guillaume qui rate un joli poisson. Moi, je fais un petit brochet, un tout petit brochet au bord là. Un truc de 35-40 cm. Puis ils ont fait quelques poissons avant que j'arrive, mais on va essayer d'en faire d'autres. En filmant, si possible. Donc là, moi, je suis avec un petit shad à 4 pouces. Tête plombée 4 grammes. Et on passe juste au-dessus du fond. On est sur des zones avec des herbiers, peu de fond. Des zones à brocher, pas vraiment des zones à sang, des zones à brocher à perche. Je suis pas vraiment équipé brocher, c'est ça le problème. C'est s'il y en a qui m'engamme un peu, c'est fini, je me fais couper. Et ça peut arriver. Hop là, perche. Je l'ai vu arriver. Hop là. Ouais, je suis capot, hein. Putain, elle a pris un trace, regarde ce qu'elle a pris. Ah oui, énervé. Boum. Et tu m'emmerdes. Hop. Yes. Voilà, 4 pouces. Mais putain, je vais te ramener. À la fin, la perche, elle est venue là dans les petites herbes au ras du bord. Hein. Je crois qu'il vient à chaque fois juste au bord là. Le brochet, t'as fait pareil. Le brochet, il est... en fait, il est sorti de la bordure, le brochet carrément. Putain, moi j'ai pris une tape, mais énervé tout à l'heure là. Une touche, mais monstrueuse. Oh là, les perchettes, elles sont venues voir. Hein? Les perchettes, elles sont venues voir. Avec l'épaule là, je vois trop bien là. T'as eu un bec qui t'a attaqué? Oh, il a bougé hein. Il a bougé au deuxième lancer. Ah oui, oui, oui. Moi, je vois tout là avec les lunettes. Hein. La deuxième fois que t'as lancé, ouais. Oh non, pas trop, 50, 45-50. Le broc, non, je vais pas filmer. La perche, il l'a filmé, il n'y a pas le broc. Hop là, petit brochet. Hop là. Wouhou. Montre-moi comme il est beau, ce petit bike. Je l'ai plus défoncé qu'autre chose, le pauvre. Il est adorable. Ouais, ouais. Rien à battre, il en a rien à foutre. Ah, il s'est cassé. Il en a rien à secouer de mon leurre. Après, il le voit de loin ton leurre et tout, ils font. Ça ne m'étonne pas qu'ils font des grosses attaques dessus, des suivis. Il est sorti du bord pour venir. Hop là, tu l'as vu la perche derrière? Non. Elle est juste derrière. Hop, elle s'est arrêtée. Elle est venue. Putain, c'est top, hein. On s'éclate. Avec les pots là, je vois super bien, c'est un truc de malade. Je vois ça, tout. Ça doit être top. Il y a juste dans les trouées, au fond des trouées que je vois pas. Il y a que au fond des trouées ouais, que je vois pas bien. Sinon, je vois partout. Il y a pas mal de pics quand même. Hein. Ah ouais, hein. Franchement, je suis bluffé. C'est plaisant, c'est de voir du poisson. Ah ouais, c'est que tu ramènes des trucs. Oh, allez. Quoi? Allez, Titi, allez, prends. Par contre, moi j'ai déjà pris une sole énorme, bon, j'ai raté, mais. Ouais, il est venu. Ouais. Énorme, mec. Hein. Ah ouais, il y a un truc qui est venu voir mon leurre, les gars. Ah ouais? Ah ouais. C'est bien, un petit brochet là de 40. Ah, ça, c'est du beau lancer. Moi, je verrais bien le leurre qui tombe le long de la berge. Et là, d'un coup, un gros éclair. C'est ça, ça, c'est magique, ça. Ça doit être beau à voir. Ou tu sais, tu laisses voilà. À la descente, t'as vu? Ah, putain, exactement comme t'as dit. J'étais en train de te dire, écoute, là tu lances au bord, tu laisses descendre. Oh, il est pas vilain.
Non, c'est un autre qui l'a tapé. C'est un autre qui l'a tapé, je suis presque sûr. Oh non, oui, c'était une perche, il l'a broché, il l'a tapé. Il est dessus, il est dessus, il va la reprendre. Il va la reprendre. Vas-y, prends. Prends-la, c'est une perche. Et le brochet, il est en train de la taper. Il est en train de taper la perche. Non. Il vient là, le brochet. Oh, il est parti. Oh, vous avez vu ça? Elle a pris trop cher, la perche. Ah, là, t'as un bon thumbnail. Il est parti vers où, le broche? Oui. T'as vu? J'ai pris la perche à la descente, le broche. T'avais dit qu'il y avait un autre truc qui avait tapé dedans. C'était un brochet. Bah, il l'a, regarde là, là. Ah, ouais. Il l'a chiqué. Tu l'as pas vu au bord, le brochet, là, quand il suivait? Mais non, j'ai pas vu, moi, j'étais trop loin. Moi j'ai vu le broc attaquer après et c'était sacrément impressionnant. Ah ouais, c'était magique, il est venu deux fois taper en plus. Je le tenais à un moment, enfin je le tenais, il avait la perche dans la gueule, il la lâchait pas. Bon ben ma pauvre, t'as pris bien cher. Ouais. Ça m'était jamais arrivé ça. Oh le bordel. Mais attends, maintenant je veux le prendre moi ce bâtard, il est parti où? Comment il a foncé sur la perche? Il est parti où le broc? Oh je te parle du con, il est parti. Il est parti là comme ça là. Mais il est revenu se caler là-bas. C'est sûr qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un souci. C'est stock ce poisson que j'ai chopé. Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il allait la lâcher, il a pas été, il a été piqué par aucun hameçon. C'était juste par pure agressivité, tu sais. Oh non, 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 t'inquiète, tu l'aurais réussi, il l'aurait bien bouffé. Hein. Oh merde, loupé. C'était petit, c'était petit. Regarde. Ah ouais. Bonne grosse trace de dentasse là. Vous êtes mignon ça. T'as pris une tape. Bon après je te dis pas moi, mon énorme one-up là que t'as vu. Honnêtement j'ai aucune confiance en lui. Je l'avais acheté pour le kiff quoi. Pour pas dépenser 16 euros pour un leurre. 20? 20 pour les deux. Ah il y en a deux pour 20. Fiche, fiche, oui, oui, fiche, fiche, fiche. Fiche à Sander. Brochet. Brochet? Ouais, brochet. Ah ouais, laisse-moi toucher, je suis poisson. Mike! Ah, il glisse. C'est plus gros que ton record. Regardez les gens. Un petit brochet! Je sais pas ce que t'as aujourd'hui là, t'es en train de ça maltraite les poissons. Ah non, je veux pas le poser pour pas l'abîmer. Massacrez-le en commentaire. T'es connard. Arrête de bouger, mais il glisse à mort. Le truc c'est qu'il est pas mal, il est piqué tout gentiment, mais j'ai pas envie de mettre le doigt dans la gueule, tu vois. Ah, je vais devoir le poser pour le décrocher. On va le poser sur l'herbe. Décroche. Bon, je vais le poser sur l'herbe. Sur les mégots. Sur les mégots. Bouge pas, bouge pas. Ah là. Et allez, ça repart. Zoup là, à pleine balle au fond. Je fais gaffe à ma canne, je me lave, je me rince les mains. Du bon poisson. Tiens, regarde, sang. Oh, ça, ça sent le poisson. Allez, tu sais quoi? Ah, mon jean. Tu mets quoi? Yes. C'est affreux de pêcher en vélo. De pêcher quoi? Flex. Faut qu'on lui montre quand même. Regardez tous, il y a coup de sous. Attends. La petite Carmel flotte dessus. Elle resserre le frein. La pète pas non plus. Hein. Putain, génial. Cette action. Ouais, faut pas non plus pousser, pousser. Mais ça, l'action qu'elle a en fait, pour, elle est faite pour les jigs à la base. Ouais, ouais. C'est ça. Et l'action qu'elle a, moi, pour jiguer, oh, quand je, hey, je te jure, quand j'ai un bateau, allez, Patricia, je m'en prends une. Mais oui. Je m'en prends une, rien que pour jiguer. Ting, 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 ting. On en a deux, on en a une chacun. Oh oh oh. Tu l'as? C'est moi que je l'ai. Un bass. Un bass.
Eh ouais, il a chassé le con. Et allez, à l'américaine, hop là. Mais il a comment, il a chassé lui. On l'avait repéré, on t'a lancé, tu l'as eu. Putain, fais chier. Bien joué. Le plus drôle, c'est regarde, là t'as une petite écaille, ça veut dire que tu touchais le poisson qui chassait. Hop. Ou c'est quand il est sorti l'hameçon que t'as. Il est tout petit, hein. Oui, il est pas gros, mais comment il a chassé sur les petits poissons. Vénère, hein, ce boss. Ça y est, t'es pas capot. Tu veux une pince ou pas? Non, non, c'est pas qu'il est accroché profond, tu vois, c'est juste qu'il est bloqué, tu sais, dans. Voilà. Ah là, je suis pas capot. J'espère de plus pour aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a. Il manque que le cylindre, hein. Comme souvent. Et le cendre. Ah ouais, il manque le cendre. T'inquiète, on va réussir à en faire un. Loupé. Et entre deux eaux, je le jerké, boum. Bien joué. J'ai lâché le premier. Mais ça faisait vraiment un petit poisson blessé. Allez. Comme un petit poisson qui poursuivait, c'était exactement la même. D'accord.